J'ai toujours dit, quand je suis arrivé ici, on ne touche pas à Messi. Voilà. On ne touche pas à Messi. Quoi qu'il fasse. Voilà. Mais moi, je suis passionné, je suis entraîneur et tout, et puis moi, j'aime le joueur. Voilà. Quand j'entends des mecs qui disent putain, Messi, il faut que. Et il ne court pas sur le terrain, il ne défend pas. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Moi, Messi, on ne touche pas. Moi, si jamais Messi, Messi, tu restes devant. Tu cours jamais, tu défends jamais. Par contre, on te donne les ballons, puis j'ai envie de te voir, voilà, jouer, t'amuser, briller, voilà. Mais c'est mon avis, hein. Du passionné, du jeu, du football, ça a été, voilà. Et aujourd'hui, on est en train de tomber sur un mec, là, c'est honteux, voilà. Mais ce sont mes mots, moi, et je les assume, hein, voilà. Touche pas à Messi. Mais je m'en fous, je parle français ou quoi? Je m'en fous de ce qui se passe sur le terrain, des problèmes du PSG. Moi, Messi, voilà, je suis amoureux du joueur, on touche pas à Messi. Touche pas à Messi. C'est clair. Voilà. Après, ce qu'il fait, mais ça, c'est le problème du PSG, c'est le problème de Christophe Galtier, c'est leur problème à eux, c'est pas mon problème à moi. Moi, je suis un amoureux du jeu, un amoureux donc de ce joueur. Voilà. Et on ne touche pas à Messi à partir de là, je l'ai dit donc il y a quelques mois de ça, et aujourd'hui, voilà, et encore plus, voilà, c'est honteux ce que je vois là. Et tant mieux, il va repartir, et je suis super content qu'il parte. S'il part, super content.